Je suis le directeur général du casino. Je vais commencer par remercier la mairie de Cannes qui est présente, Madame Piel qui est juste là, qui représente Monsieur le maire, Monsieur Lisnard. Merci d'être là. Monsieur Deloc du Palais des Festivals, Monsieur et Madame Jouillon qui sont présents. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'être là. C'est vraiment un plaisir. Alors pourquoi des tableaux dans un casino, vous allez me dire? Pourquoi un partenariat avec un artiste local et un casino? Un casino, c'est je dirais, une place plutôt assez forte dans une ville. Donc, j'aime bien faire profiter et essayer de tisser des liens avec des artistes locaux. Donc dans le site, donc, ça permet de faire découvrir des artistes locaux, les mettre dans la lumière, et puis lui aussi, de pouvoir aussi nous faire bénéficier un petit peu de son savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours plus joli d'avoir des jolies œuvres et puis de démontrer un peu le talent des artistes, plutôt que d'avoir des murs, j'ai envie de dire, qui seraient plutôt vides. Donc j'en sais un appel, et on n'hésitera pas à le faire. Avec grand plaisir, s'il y a des artistes locaux, le casino sera à leur disposition, vraiment pour tisser du partenariat et faire rayonner un petit peu toutes les forces et tout le savoir-faire de la ville de Cannes. C'est le casino de Cannes, et ça j'aime bien le dire, c'est le casino de Cannes, donc l'idée c'est de mettre des Cannois dans le casino de Cannes. Et vous pouvez croire que jusque le temps que je serai directeur du casino de Cannes, il y aura des artistes cannois à l'intérieur. Bonjour, bienvenue au Casino Croisette. Le directeur m'a contacté pour monter une première exposition d'art depuis longtemps. Je crois que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'artistes dans ce lieu, donc moi je suis content. Et voilà, vous avez 12 tableaux de la série Affichage Libre qui sont exposés pendant à peu près un mois et demi de mémoire sur place. Ce sont des collages? C'est la série Affichage Libre, c'est uniquement des collages qui sont récupérés dans la rue. Je vais la nuit récupérer les affiches et puis je fais une décomposition. Je m'amuse avec tous les éléments que je trouve. Je joue pas mal sur le jeu des lettres, des couleurs, des regards, etc.